c'est Ugly pour un truc et astuce sur l'incroyable Zelda Game Boy, un jeu qui pousse à la réflexion ainsi qu'à la lecture. Et lire, vous en aurez besoin pour répondre à la question « Que fait-on des bananes dans Zelda Game Boy ?» Cet épisode du jeu vous permettra en partie de trouver l'une des clés les plus difficiles à obtenir, celle du troisième palais. Après avoir ramené le toutou à Madame Miaou Miaou, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour au magasin d'en bas du village. Et si vous êtes ingénieux, vous pourrez peut-être récupérer une poupée de Yoshi. Emmenez maintenant cette poupée à la mère des quadruplés. Sa maison est située en haut du village. Elle est si contente qu'elle vous offre un nœud papillon. Ce nœud ira comme un gant au petit toutou de Madame Miaou Miaou. Le perfide animal vous donnera alors une boîte de conserve. Rappelez-vous que l'alligator de la plage collectionne les boîtes. En échange, il vous donnera des bananes. D'après vous, qui mange des bananes sinon des singes? Vous en trouverez un sur la droite d'un château situé au nord-est de l'île. Pour vous remercier, lui et sa bande de singes vous fabriqueront un pont qui vous permettra de trouver un passage vers le château des feuilles d'or. En passant, vous récupérez le bâton qui vous servira un peu plus loin. Allez, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne aventure sur Zelda Game Boy. On se quitte sur la chanson de Marine. Au revoir.